بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Aujourd'hui, inshallah, on va parler d'une autre miracle scientifique dans le Coran, le fer. D'où vient le fer? Avant ça, on a pensé que le fer vient de la terre parce que c'est lourd. Mais non, avec la science moderne, le professeur Armstrong, américain, il a comparé le fer avec la science moderne, avec le Coran. Mais non, on sait que pour composer un atome de fer, ça a besoin de 4 fois l'énergie de tout le système solaire. Donc, le fer, c'est prouvé scientifiquement que ça vient pas de la terre, c'est impossible. Ça vient des étoiles, ça compose dans les étoiles avec une haute température et vient ici sur notre forme. Et Dieu, il a dit dans le Coran, on a descendu le fer, ou anzalna al-hadid. Donc, comment le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, il a su cette information-là plus que 1400 ans avant ça.